بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، أبنائي بناتي، أعدائي عدواتي، مزلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous aime tous en Allah. Sachez-le, pas besoin de vous le rappeler à chaque fois. Mais je sais qu'il y a de nouvelles personnes qui découvrent ma da'wa, donc je le rappelle toujours que quel que soit le niveau d'animosité, il y a un grand, grand amour en Allah. Le plus important des amours qu'on ne compare pas avec d'autres. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Bonsoir, bon appétit, bon ce que vous voulez. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis depuis peu vos vidéos que je trouve très intéressantes, car l'approche que vous adoptez apporte un peu de diversité dans le discours islamique que l'on entend partout sur Internet. Je pense que je sers à quelque chose. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Rabbi lakal hamdu, ya Rabbi lakal hamdu, ya Rabbi lakal hamdu. Très bien. Ce qui est étonnant, en tout cas, c'est que je vous ai découvert à travers Mathmati, qui, je dois avouer, n'est pas la meilleure façon de découvrir les autres. Jazakallahu Bon, ce personnage, mon frère. J'ai peur qu'un jour ils se mettent à critiquer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou qu'ils se mettent à critiquer Allah. Non, donc il y a des gens, subhanallah, la ilaha illallah. Bon, donc tu m'as découvert. Tu m'as découvert avec mathématiques. Parfait. Bon. Cela dit, grâce à Dieu, je garde en moi un peu de curiosité qui me permet de ne pas m'arrêter à ce que dit telle ou telle personne. Et c'est un peu l'objet de ma situation, de ma question. Donc, alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Très bien. Comment considérez-vous l'appel à Dieu du point de vue méthodologique, où la plupart des prédicateurs cybernétiques tentent par tous les moyens de persuasion, de faire croire à leur public qu'il n'y a pas d'autre horizon que le leur. Qu'Allah te bénisse, ya Habibi. Tu vois, ce type de questions, et ce sont des questions pour moi qui sont trop, trop, trop généralistes. Même si je comprends ce que tu essaies de dire, la prochaine fois, s'il te plaît, il faudra que tu me donnes des détails. D'accord? Que tu me dises, ok, tel prédicateur, par exemple, ou tel système de pensée, telle école veut dire cela, ou veut faire dire cela, ou veut faire adopter cela, par exemple. Mais je comprends ce que tu essaies de dire. Donc, comment considérez-vous l'appel à Dieu du point de vue méthodologique, où la plupart des prédicateurs cybernétiques tentent, donc ce sont ceux qui sont cybernétiques, tentent par tous les moyens de persuasion de faire croire à leur public qu'il n'y a pas d'autre horizon que le leur. L'islam n'est-il pas une religion qui sacralise la liberté humaine en lui offrant un maximum de choix et d'opportunités, d'où la diversité extraordinaire entre les innombrables courants et systèmes de pensée islamiques? Pourquoi est-il rare de tomber sur un prêcheur qui affirme publiquement ses limites en même temps qu'il prône l'infinité de possibilités que peut avoir un musulman? Pourquoi un musulman curieux est-il perçu comme dangereux
De manière générale, entre parenthèses, personnellement, à chaque fois que je pose une question qui sort un peu de l'ordinaire, on hésitait à me traiter, je pense qu'on n'hésitait pas à me traiter de fou ou de philosophe pour probablement évacuer mes interrogations. Ne trouvez-vous pas que la manière restrictive à laquelle s'adonnent beaucoup de prédicateurs est nuisible à l'image de l'islam? Car elle infantilise de plus en plus les musulmans en les rendant dépendants de tels courants, ou encore pire, de telles personnes. Voilà ma question. J'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. Merci d'avoir pris le temps de me lire. Salam alaikum. Tu viens donc, mashallah, de l'horizon où tu écoutais, où tu. Tu m'as découvert, mashallah, chez notre ami Mathematique. Et je vois que tu as une très belle intelligence, mashallah, et une très belle plume, mashallah. Il y a de très belles contributions. Parfois, je te sens un peu énervé, mais je vois de très belles contributions. Et comme je t'ai dit, comme je t'ai écrit, j'ai toujours besoin de toi et j'ai besoin de gens comme toi pour élever le niveau. D'accord? Pour élever le niveau. Très bien. Donc, mon frère, première chose qui me vient à l'esprit, c'est d'abord un exemple d'un frère ou un frère qui s'est converti à l'islam, mais je pense qu'il n'a pas compris ou il n'a pas pu supporter que l'islam a été envoyé ou a apparu dans la péninsule arabique chez les Arabes. Il espérait que l'islam apparaisse en France. Donc ce personnage, chez les Arabes, chez les arabo-musulmans, ou chez les musulmano-arabes, il ne voit que le mal absolu. Il ne voit que le mal absolu. Il ne voit pas autre chose. Subhanallah. Quand je fais de temps en temps des piques à la France, je sais, je me dis au moment où je fais le rappel, je sais que c'est lui qui va s'énerver le plus, ou il va montrer qu'il n'est pas content, ou il va me lancer une pique pour me répondre. Un jour, j'ai dit à ce personnage, à force de critiquer les Arabes aux musulmans, tu ne vois que le mal chez eux, tu ne vois jamais le bien, et tu vois en contrepartie en France de belles choses. Un jour, il attaquait la mosquée, ce qui se passe dans la mosquée. Je lui dis, avant que tu attaques la mosquée, dis-toi que cette mosquée a été construite par l'effort et la sueur de ceux que tu attaques. Donc il y a tellement de choses qui ont été faites, mashallah, à partir de rien, avec pas grand-chose, pour que toi tu puisses prier dans cette mosquée. Il y a des faiblesses, il y a des imperfections, c'est comme toutes les œuvres humaines. Qu'est-ce que j'essaie de te dire d'abord? C'est que, alhamdoulillah, qu'il y ait des prédicateurs cybernétiques aujourd'hui, ou qu'il y ait des prédicateurs tout court. Tu vois le monde, comment il est difficile, comment il est dur, comment il est frontal, comment ça devient très dangereux de parler, comment ça devient très ennuyeux de parler, ou d'inviter les gens à un minimum de crainte d'Allah, ou d'inviter les gens à revenir à Allah. Donc ça devient très difficile. Et subhanallah, tu vois qu'il y a des gens qui se donnent à ça, qui se sacrifient, qui donnent de leur énergie, de leur temps. Souvent, ce sont des gens qui peuvent gagner de l'argent, qui peuvent bien se vendre. Ça manie bien le verbe. Ça peut être un coach, c'est un mot à la mode. Ça peut gagner de l'argent. Ça peut mettre toute cette énergie pour la nouvelle divinité des humains, qui est l'argent. Mais tu vois, subhanallah, il se donne. Il faut qu'on voie le bien. Il faut d'abord qu'on rappelle ce bien. Si tu viens de l'horizon de mathématiques, tu sais que mathématiques ne voit que le mal. Ce sont tous des francs-maçons, ce sont tous des vendus, ce sont tous des shayatins. Donc il y a, mon frère, des grands principes en islam. Si tu parles de l'islam, si ton référentiel s'appelle l'islam, il y a quand même un grand, 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 un très, très grand principe dans l'islam qui est de وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءً. Ne dépréciez pas la valeur des gens. C'est très, très important. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde attaque les prédicateurs, sans arrêt, en continu, mais c'est même
un jeu aujourd'hui international des musulmans se prendra une belle gymnastique. Mais il faut d'abord rappeler les choses. Laïsa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li 'alimina qadrahu. Il ne fait pas partie de nous, il n'est pas musulman. Celui qui ne respecte pas le plus vieux, qui n'est pas tendre et miséricordieux envers le petit, qui ne reconnaît pas la valeur de celui qui a la science, notre savoir, la personne qui possède le savoir et la science. Donc ce sont des gens qui ont fait un effort sur eux-mêmes, qui ont donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et qui essayent, comme ils peuvent, avec leurs aptitudes, avec leurs capacités, de réveiller un peu les insouciants, les mécréants, les égarés, les pécheurs, sachant que nous sommes tous des pécheurs. C'est vraiment très important, mon frère, que tu gardes ça à l'esprit. Après, dans n'importe quelle chose, dans n'importe quel mouvement, dans n'importe quelle manière de faire, il y a toujours des imperfections. Est-ce que c'est leur niya? Est-ce que la niya des prêcheurs, des prédicateurs, sachant que toi-même tu dois être un prédicateur, tu es un prédicateur, pas ce que tu développes comme écrit, tu es un prédicateur, tu invites les gens à un système, tu invites les gens à quelque chose. Non. Donc, ces prédicateurs-là, est-ce que c'est dans leur intention de vouloir infantiliser ou de vouloir voir tout le monde dans le même moule? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Chacun ses capacités, comme j'ai rappelé, chacun son parcours, chacun son historique, chacun son passif. Maintenant, n'importe quel musulman qui connaît le strict minimum de l'islam sait que nous avons de très grands principes, alhamdoulillah, éternels. Et dans le cadre de ces très 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 grands principes, il y a une infinité de développements. Et je te donne, ou de manière de faire, ou d'angle d'attaque, ou d'approche. Là, le Coran est limité, un nombre limité de versets, le hadith sont limités, et subhanallah, les événements sont infinis. Et Allah a voulu que ça soit ainsi. Pourquoi? Pour que l'humain, pour que le musulman continue à réfléchir, continue à faire l'ijtihad, l'effort intellectuel. On prend les premiers, les Sahaba. Les Sahaba ont divergé. Les Sahaba étaient en désaccord total. Sur des points, ils étaient en désaccord total. Mais il y avait les plus grands principes, les principes éternels, sur lesquels ils étaient d'accord. D'accord? Mais il y avait d'autres choses où il y avait des divergences entre eux. D'accord? Et quels que soient les humains, ils ne peuvent que être en divergence totale. Sur des points. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est le respect. C'est le respect. Savoir que personne n'a le monopole de la vérité. Il faut toujours garder à l'esprit qu'il est strictement haram de se diviser. Être différent, on peut être en désaccord, mais on doit se respecter, on doit s'aimer. Et on doit tous nous dire que nous travaillons pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui attend de nous quoi? L'union. Alors maintenant, c'était un petit préalable, s'il te plaît, avant qu'on lance des tentatives de réponse à tes questions, sachant que je t'ai dit dans mon mail de réponse que les réponses sont des questions. D'accord? Mais je vois quand même une influence néfaste que je lis entre les lignes de la pensée, sachant qu'il n'a pas de pensée, de la manière d'être de mathématiques. Je pense que tu as quand même subi un peu d'influence. Donc tu as été infantilisé toi-même, malheureusement. Tu as subi malheureusement une influence néfaste. D'accord? Donc à toi de te purifier, inshallah, de ça. Pour que tu commences à بدل أن تلعن الظلام أوقد شمعة au lieu d'insulter l'obscurité, Confucius, allume une bougie. Très important. D'accord? Donc, bismillah, on prend un peu les questions, ce qui est très bien. Comment considérez-vous l'appel à Dieu du point de vue méthodologique où la plupart des prédicateurs cybernétiques tentent par tous les moyens de persuasion de faire croire à leur public qu'il n'y a pas d'autre horizon que le leur?
Envoie-moi des noms. Envoie-moi. C'est quoi ce système de pensée? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Qu'est-ce qu'ils essayent d'imposer comme moule? Et tu me connais, je suis direct, alhamdoulilah, et franc. Et je dirais personnellement, parce que là, tu me donnes des exemples, Inch'Allah. Et je dirais, voilà, ça, cette manière de faire. Et est-ce qu'il est fidèle ou pas? Est-ce qu'il n'est pas fidèle ou pas? Au principe de l'islam, au grand principe de l'islam. Cette manière de faire que tu décris est détestable. Tous les moyens de persuasion, de faire croire à leur public qu'il n'y a pas d'autre horizon que leur, je ne le pense pas, crois-moi. Moi, je vois le bien en mes frères. Il y a toujours des exceptions à la règle. Il y a des gens minables, il y a des gens frustrés, il y a des gens loin de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens parasites. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la prédication, sachant que n'importe quel humain doit appeler les autres à l'islam. Mais il y a des gens orgueilleux. Ils ont le kofr à l'intérieur, ils ont l'hypocrisie, il y a un manque flagrant de sincérité. Il y a des comportements très, 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 très mauvais. D'accord? On ne parle jamais de cela, subhanallah. Et je vois, moi, que beaucoup de jeunes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, se sont infantilisés à mort. Ils sont tombés plutôt chez ces hérétiques, chez ces malades mentaux, d'accord? Chez ces imposteurs. Malheureusement, je le vois. Crois-moi que je suis un vieux de la vieille de cette dawa. Et je vois un peu jour ça ce qui se passe. Je vois des dégâts, sans vouloir généraliser, mais il y a des dégâts gravissimes, subhanallah. Lourds, lourds. Et au lieu de se concentrer sur cela, et trouver le moyen de les combattre une fois pour toutes, on se concentre sur le petit nombre infime qui essaie de faire le bien. Et on continue à les dénigrer. Et là, on se rajoute finalement, nous-mêmes, aux forces sataniques qui détruisent. Donc, d'accord? Cette approche-là, ya Habibi, donc, qu'il n'y a pas d'autre horizon que le leur, je ne le pense pas. Et s'ils le font, c'est qu'ils ont trahi le message de l'islam. Si je te dis à Abu Bakr Siddiq et je dis à Omar ibn Khattab, ce sont deux sahabis, mais deux sahabis différents, très différents. Chacun a son système de pensée. Un système de pensée particulier, une manière, une approche particulière. Ça ne peut qu'enrichir l'islam et c'est ce qui s'est passé, alhamdoulilah. Ça a apporté une belle complémentarité. Quand on voit Ali, quand on voit Othman, quand on voit Sa'd ibn Abi Waqqas, quand on pense à chacun, Mus'ab ibn Umayr, Zubayr ibn Awwam, quand on pense à chaque sahabi, subhanallah, on voit une différence par rapport à l'autre. Ils ne sont pas tous dans un moule. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il conseillait chacun, il conseillait chacun différemment. D'accord? Il voyait un peu comment ce compagnon était, il avait besoin de quoi il le conseillait. Et ces mêmes compagnons, subhanallah, comment ils ont évolué après la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu vois des merveilles de différence. Donc il n'y a pas un seul moule. Quand tu vois Abu Dharr al-Ghifari, subhanallah, il peut nous donner, mais de très 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 belles leçons. De très 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 belles leçons. Moussa ibn Omer est une umma wahdahu. Abu Dharr al-Ghifari, umma wahdahu. Ibn Abbas, umma wahdahu, subhanallah. Et jamais, au grand jamais, ils n'ont appelé à voir un monde dans le même moule où ils ont appelé qu'on les suive et qu'on ne le voit pas autre ou d'autres choses, non. Donc déjà, la force de l'islam et la puissance de l'islam, c'est quoi? C'est que ça ouvre les horizons. Le nombre de hadiths, je rappelle, limité, nombre de versets limités, nombre de sourates limités, devant une infinité d'événements, une infinité de problématiques. D'accord? Et les musulmans ont toujours, alhamdoulilah, su trouver des réponses à des problématiques lourdes, d'accord? Qui, renouvelables et infinies, avec l'ijtihad, l'effort intellectuel, le fait de ne jamais se border, non? Se border dans des cercles vicieux. D'accord? Donc, vouloir imposer un moule, vouloir voir tout le monde dans le même moule n'a rien à voir avec la vision de l'islam. Ce n'est pas possible. Nous avons des choses
éternelle, immuable, claire, nette et précise. Non. Mais nous avons l'obligation, par notre religion, de réfléchir, de trouver des solutions, de descendre, de se mélanger avec les humains et de trouver des solutions à nos problématiques. Donc, tu sous-entends la réponse dans ta question. Donc, comment considérez-vous l'appel à Dieu du point de vue méthodologique où la plupart des prédicateurs cybernétiques tentent par tous les moyens de persuasion de faire croire? Pour moi, ils tentent avec tous les moyens de persuasion. Il y a toujours des gens, je dis, il y a toujours des exceptions. Ils tentent avec tous les moyens de persuasion, halal, licite, légal, d'inviter les gens à l'islam. Et celui qui ne le fait pas doit se rectifier et doit se remettre en cause. Si il tente de faire croire à son public qu'il n'y a pas d'autre horizon que le sien, il a trahi le message. Il doit arrêter, il doit marquer pause, d'accord? Il doit partir se former et se remettre en cause. Ça marche. L'islam n'est-il pas une religion qui sacralise la liberté humaine en lui offrant un maximum de choix et d'opportunités, d'où la diversité extraordinaire entre les innombrables courants et systèmes de pensée islamique? Sahih. Sahih. Nous sommes libres. La liberté est très, 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 très fondamentale en islam, primordiale en islam, importante en islam. Ya Habibi, le malaïka, les anges, ils glorifient Allah à longueur de journée, d'accord? Ils adorent Allah, d'accord? Ils évoquent Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas de liberté dans l'histoire. Allah les a créés comme ça. Les animaux, par fitra, ils glorifient Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont aucun choix. Aucun. Voilà. Toutes les créatures n'ont pas le choix. La liberté, elle est chez qui? Chez l'humain et chez les djinns. Donc l'humain a la liberté de croire ou de ne pas croire. Mais extraordinaire. 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 Et il a la possibilité de faire ce qu'il veut. Mais c'est phénoménal. Je ne sais pas si tu as déjà médité sur ça. Tu as déjà médité, mashallah. Imagine. Si tu es libre, tu choisis le chemin que tu veux. Tu es libre. Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie sa parole, il t'envoie des prophètes, il t'envoie des rencontres, il veut que tu reviennes à lui, mais tu es libre. C'est très important. Non. Donc l'islam n'est-il pas une religion qui sacralise la liberté humaine? Oui, dans un cadre. La liberté humaine est cadrée et normée. Et dans toute société, la liberté doit être cadrée. En islam, subhanallah, la liberté de culte, comme dit, comme on l'a dit, tu adores ce que tu veux. Tu peux t'adorer toi-même. Donc on est libre. Imagine, la plus belle chose, c'est de reconnaître Allah. La plus grande aberration, c'est de le refuser. Et on a la liberté d'entamer ce chemin de la perversion totale, de l'aberration totale, qui est de ne pas croire, de refuser Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, la réponse à ta question, oui. Offrant un maximum de choix et d'opportunités, d'où la diversité extraordinaire entre les innombrables courants et systèmes de pensée islamique, avant, tu parles d'islam, mais parle aussi d'humain. Dans n'importe quel groupe aujourd'hui, humain, quel qu'il soit, ben, il y a plusieurs manières de voir les choses. Chez la droite, il y a plusieurs manières de voir les choses. Dans la gauche, il y a même plusieurs droites, il y a plusieurs gauches. Et tout ça va disparaître, d'autres systèmes de pensée viendront. En philosophie, il y a une infinité de manières de voir les choses, d'approches. Donc ça, c'est l'humain. L'humain, il a besoin de cette chose vitale pour lui qui est la liberté. D'accord? Donc en islam, non, nous sommes libres, alhamdoulilah, on a des grands principes qui doivent cadrer nos vies. Non. Et ensuite, nous devons réfléchir, nous devons évoluer, nous devons progresser, nous devons
Parfois échouer, nous devons parfois réussir, nous devons. Et c'est ça qui fait, subhanallah, la richesse de l'humain et la richesse du musulman. D'accord? Donc je réponds oui à ta question. Donc courant et système de pensée, là, on prend l'exemple des tabi'oun, des fondateurs de madhhab. Il y en a tellement. Il y a un grand nombre de fondateurs de madhhab, il y a des madhhabs qui ont disparu. Aujourd'hui, il y a 8 madhhabs. 8. La Ummah constate qu'il y a 8 madhhabs. Non. Je vais prendre ceux qui sont connus, reconnus par les sunnites. Madhab al-Hanafi, Madhab al-Maliki, Madhab al-Hanbali, Madhab al-Shafi'i, ou le Madhab qu'on peut retrouver dans les livres aujourd'hui, c'est le Madhab al-Zahiri. Donc, si je prends les fondateurs de Madhab, l'imam Ahmad, l'imam Malik et l'imam Ahmad ibn Hanbal, au tout début, il y avait une guéguerre. Surtout l'imam Malik ne supportait pas la vision de l'imam Abu Hanifa, Malik et Abu Hanifa. Il ne le supportait pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Pourquoi? Parce qu'il pensait que l'imam Abu Hanifa utilisait beaucoup la raison, raisonnait beaucoup dans l'histoire de religion, dans ses fatwas. Sauf que quand il l'a rencontré, l'un a été émerveillé par l'autre et l'un a finalement compris l'autre. L'imam Malik n'a pas bougé de Médine. C'est calme, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, il n'y a pas eu beaucoup de mélange finalement. Donc c'est la manière de voir chez l'imam Malik, on pouvait la comprendre. La manière de faire la fatwa de fiqh de l'imam Malik, on pouvait la comprendre. La manière de Abu Hanifa était à Bagdad, à l'Irak. Il était à l'Irak, pas à Bagdad. Bagdad est venu après. Donc il était à l'Irak. Et l'Irak, il y avait beaucoup, beaucoup de mouvements. Beaucoup, beaucoup de mouvements, beaucoup de mélanges, des nouveaux reconvertis, des choses, ça bougeait, ça n'arrêtait pas de bouger. Et donc c'est normal que, et Abu Hanifa avait rencontré, il n'avait pas rencontré peut-être les Sahaba que l'imam Malik a rencontrés. Donc il y avait des contextes. Quand ils se sont rencontrés, chacun finit par comprendre l'autre. Alors qu'au début, il y avait vraiment des frictions, l'imam Shafi'i qui a rencontré l'imam Malik, il a passé beaucoup d'années avec lui, et qui a été formé par un disciple ou deux disciples de l'imam Abu Hanifa, finalement a fondé un autre madhhab. Alors qu'il a côtoyé pendant des années et des années l'imam Malik, et il a côtoyer deux grands, grands disciples de l'imam Abu Hanifa. Donc il avait son propre madhhab, finalement, qu'il avait changé lui-même en se déplaçant vers, quand il a quitté les Harar vers l'Égypte, il a tout changé. D'accord? Il a tout changé. Tout son système de fatwa, il l'a changé parce que le contexte a changé. Ce l'imam Shafi'i a côtoyé l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal avait son propre madhhab. Donc, d'autres approches, le madhhab c'est une approche, c'est une méthodologie. Et personne n'a jamais dit à l'autre, je te refuse, tu ne dois pas exister. Il n'y a que ma manière de faire. Après, si on veut étudier l'origine et le pourquoi du comment, ça demandera des heures et des heures. Finalement, le pourquoi du comment de l'ikhtilaf finalement. Des désaccords finalement. Mais subhanallah, nous avons des choses quand on médite sur ces fondateurs de madhhab. Quand Abu Ja'far al-Mansour, le Abbaside, est venu dire à l'imam Malik, ton livre doit être écrit au nord et je vais l'imposer finalement. Dans toutes les contrées où il y a mon pouvoir, je vais imposer ton madhhab. L'imam Malik a refusé. L'imam Malik a refusé, mon frère. Et c'est normal qu'il refuse. S'il n'avait pas refusé, peut-être on l'aurait. Il serait rien aujourd'hui, l'imam Malik. Il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il a dit que les Sahaba se sont dispersés dans la terre. Et leur ilm s'est dispersé avec eux dans la terre. Donc on ne peut pas limiter la Ummah à une approche, à une manière de voir les choses. Une différence infinie, toujours pour qu'on essaye de
se connaître, de tirer de l'autre, d'apprendre de l'autre, d'apporter à l'autre. D'accord. Donc l'imam Malik a refusé. Et c'est normal, ça. Donc ça, c'est notre religion. Je te pose une question. Pourquoi il n'y a pas une exégèse du Coran de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Tu t'es jamais posé cette question. Pourquoi il n'y a pas eu... C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a eu ce message. Pourquoi il ne l'a pas expliqué? S'il l'avait expliqué, s'il avait fait l'exégèse du Coran, toute exégèse qui vient après peut être considérée comme une déviation, comme une défiance, comme du kufr wal-iyaz billah. Parce que celui qui voudra faire l'exégèse après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pensera, le pauvre, ou croira le pauvre qu'il apporte mieux que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il peut comprendre le Coran mieux que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous n'avons pas une exégèse du Coran faite par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu le Coran, non. Kana Quran yamshi, kana khuluquhu le Coran. Son khuluq était le Coran, non. Voilà qu'on n'a pas d'exégèse. On dit, je suis salafi, malheureusement, et je comprends le Coran et la sunna avec la compréhension des sahaba. Mais c'est juste des paroles, ça. On peut le comprendre donc, à une certaine limite, jusqu'à une certaine limite. Mais les sahaba ont été en désaccord sur des choses, sur des points et des points et des points. S'ils étaient en accord total, il n'y aurait pas eu de guerre. Il n'y aurait pas eu toutes les pitanes qui ont coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord? Nous aimons les sahaba, nous respectons les sahaba, non, mais ce sont des humains, non, d'un très très grand voltige. La terre n'a pas connu mieux qu'eux et personne ne peut comparer les sahaba à d'autres populations ou à d'autres communautés, non. Mais ils ont divergé, ils étaient en désaccord, non. Et il y a eu même des guerres entre eux. Alors nous qui ont le recul, nous devons tirer les leçons, nous devons essayer de prendre du recul et d'être un tout petit peu plus souple dans nos manières d'agir avec les autres et de réagir avec les autres. Je ne sais pas si tu me suis ou pas. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Donc, pourquoi il n'y a pas une exégèse faite par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que l'être humain réfléchisse toujours dans un cadre, fasse l'effort, l'ijtihad, l'effort intellectuel. Toujours. Chaque génération doit fournir un effort intellectuel. D'accord? Tout le temps. C'est vraiment la plus belle richesse, ou une des plus belles richesses de l'islam, qui fait qu'il est renouvelable, subhanallah, est renouvelé, et qu'il a toujours, masha'Allah, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pu faire vivre la Ummah, à chaque fois, quel que soit le niveau, quel que soit le niveau de pauvreté, de décadence, de débauche, le Ummah, subhanallah, trouve toujours dans l'islam des choses qui peuvent la faire revivre à chaque fois. À chaque fois. Parce que c'est ouvert à la réflexion, à la méditation. D'accord? Continue et éternel, subhanallah. Non. L'islam n'est-il pas une religion qui sacralise? Très bien. Pourquoi est-il rare de tomber sur un prêcheur qui affirme publiquement ses limites en même temps qu'il prône l'infinité de possibilités que peut avoir un musulman? Moi, je vois le rêve, mon frère, dans nos prêcheurs, qu'ils soient cybernétiques ou autres. Et crois-moi que nos prêcheurs sont aussi des prêcheurs au niveau local, mon frère. Ils se sont mélangés avec les gens, avec la Oumma. Ils ont essayé d'apporter quelque chose au niveau local. Maintenant, il y a des groupes, alhamdoulilah, ils ont des équipes qui font diffuser leurs paroles sur Internet. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, ils ont un grand, grand khair. Quand je pose la question à un reconverti, il me dit, c'est un tel, ou c'est un tel, ou c'est l'approche d'un tel. D'accord? Dans la Oumma, il y a une infinité aussi de personnalités et de typologies de personnes. Chacun trouve, alhamdoulilah, ce qu'il cherche chez un prédicateur particulier, ou plusieurs prédicateurs particuliers. Mon rôle à moi, et ton rôle à toi, et son rôle à lui, et le rôle du prédicateur, c'est justement rappeler ça. Rappeler ce que tu nous dis, toi, mon frère. Que
ce sectarisme-là, finalement, personnellement, c'est la raison d'être de ma parole, envers les non-musulmans et envers les musulmans. Tout est une histoire de sectarisme, ni plus. Sectarisme veut dire orgueil, malheureusement. Orgueil mélangé avec ignorance, ça fait la hawla ou la quwwata illa billah, ça fait un mélange explosif. D'accord? Donc, ce sectarisme-là, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il provoque quoi? Il provoque la polémique, la haine, la division, les querelles infinies, les conflits. Et c'est strictement haram par l'islam. C'est vraiment strictement haram. Je vous invite, mon frère, à méditer sur ces versets, sur ces interprétations des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoute. Écoute Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il nous dit. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ô prophète, où j'ai mis mes versets? Très inchallah, je ne retrouve pas mes versets. Quand il s'agit de versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'aime bien mettre une interprétation directe, sans essayer de traduire moi-même. Donc, accrochez-vous tous ensemble, au câble d'Allah. Et ne vous dispersez pas. Ne vous dispersez pas. Regarde, c'est clair, net et précis, mon frère. Clair, net et précis. Nous, on s'est divisé. Justement, cette volonté de vouloir le même moule est l'origine de beaucoup de problèmes. On a parlé des madhahib. Sache, mon frère, qu'il y a eu dans l'histoire des guéguerres qui ont rasé des villages entiers à cause des guerres des madhahib. Ma fille, je suis hanbalite ou je suis hanafite, je ne donne pas ma fille à un malikite, par exemple. Et c'était des guerres sans fin, la madhhabiyya. Donc c'est toujours le même problème, malheureusement. Toujours, c'est ce que tu décris. Cette volonté de dire que je suis le seul qui a tout compris, et que mon système à moi est le système d'eux, en sortant du cadre de l'islam, je trahis l'islam et je commets de très grands péchés et je peux causer de très très grands problèmes. Donc finalement, mon travail à moi et le tien et le sien, c'est quoi? C'est de tout faire pour faire revenir les humains et nous-mêmes, les prédicateurs, quels qu'ils soient, à toute personne, au comportement du Coran et de la Sunna, à l'esprit du Coran et de la Sunna. Et en plus, alhamdoulilah, nous avons toute l'histoire musulmane derrière nous. Et on peut vraiment tirer de belles analyses et de très très belles leçons. Et on a une infinité de productions de nos savants, de nos leaders, de nos réformateurs. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit le frère? Ne trouvez-vous pas que, Naam, pourquoi un musulman curieux, ok, pourquoi il est rare de tomber sur un prêcheur? Il y en a, alhamdoulilah, il y a mon frère. Après, il faut savoir les comprendre, il faut quitter un peu l'influence néfaste que tu as eue, peut-être, avec le mathématique. Et tu finiras, inchallah, par voir quelques bougies, alhamdoulilah, et quelques lumières chez chacun, chaque prédicateur. Ah, si et seulement si il y a sincérité, qu'on peut vérifier. Elle est dans le cœur, là, mais qu'on peut vérifier quand même, en observant bien. Pourquoi un musulman curieux est-il perçu comme dangereux de manière générale? Personnellement, à chaque fois que je pose une question qui sort un peu de l'ordinaire, on n'hésitait pas à me traiter de fou ou de philosophe pour probablement évacuer mes interrogations. Mon frère, par rapport à ça, il y a une époque qui est révolue, qui est vraiment très révolue aujourd'hui, c'est fini. C'est fini.
Une époque où on pouvait dire aux gens, attention, méfie-toi d'aller vers telle secte, tel groupe, parce que tu risques de tomber dans le piège. Moi-même, je le disais à une époque, et je peux encore le dire, attention. Moi, je rajoute juste toujours une condition. Avant d'aller t'aventurer chez d'autres, quel que soit leur système de pensée, quel que soit ce qu'ils racontent, il faut d'abord te solidifier et te fortifier. Et tu ne peux pas te fortifier par ta propre pensée. Il faut quand même que ta pensée soit purifiée par justement les plus grands principes et les grands principes de le Coran et de la Sunna, et l'esprit coranique et de la Sunna. Il faut que tu sois solide d'abord. Aujourd'hui, mon frère, tout est ouvert. Et ce qui marche le plus aujourd'hui, c'est les déviations, les perversions, les escroqueries intellectuelles. C'est ça qui marche le plus. Google aime faire ressortir cela. YouTube aime faire ressortir cela. Et à chaque fois qu'il y a un malheur, c'est ça qui sort en premier. Et obligatoirement, tout le monde ne peut que être touché par la perversité, quelle qu'elle soit. D'accord? Moi, je vois, subhanallah, tu sais, je laisse ouvert un peu les commentaires et je vois une infinité de bêtises, subhanallah. Et voilà, ça touche. Et même, ça touche parfois des gens âgés qui ont une certaine expérience, subhanallah. Non, donc il faut se solidifier. Maintenant, aujourd'hui, tout est ouvert. Il y a rien à faire, tout est ouvert. Donc, si quelqu'un vient poser n'importe quelle question, soit tu vas avoir le courage de lui répondre. D'accord? Et tu dois être honnête dans la réponse et sincère dans la réponse. Soit celui dit, toi, tu es un fou ou un philosophe, qu'est-ce qui va se passer? Il va partir voir ailleurs. Il va te mépriser. Il va t'ignorer finalement. Donc, je ne peux que dire que ça ne se fait pas, que ce n'est pas bon à voir. Et alhamdoulilah, l'islam est très, 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 très puissant. Et dans l'islam, toujours dans le cadre des grands principes éternels, il y a toujours la réponse. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Quand Allah a sorti ce verset, il y avait à ce moment-là dans l'islam tout ce qu'il faut pour l'humanité. Coran et Sunna. Je sais aussi que tu as été un peu influencé par notre... D'accord, Coran et Sunna. Et événementiel, événement de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur les 23 ans. Si Allah dit cela, c'est que à ce moment-là, il y a dans l'islam tout ce qu'il faut pour l'humanité. Tout en invitant l'humanité à réfléchir. Et la réflexion de l'humanité produira des positions différentes, des systèmes de pensée différents, des manières de voir différentes, des approches différentes. Ce n'est pas grave, ce n'est pas haram, au contraire, c'est très très enrichissant. Et c'est très très intéressant. Mais que chaque système de pensée, que chaque approche, que chaque prisme d'attaque, que chaque manière de traiter les problématiques et de gérer les problématiques, doit toujours garder à l'esprit la crainte d'Allah. Et doit toujours rester dans les plus grands principes du Coran et de la Sunna et de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ce n'est pas donné malheureusement à n'importe qui. Et là, il y a une belle, belle, belle éducation et purification que chacun doit se faire, qu'il soit savant, prédicateur, ce que tu veux. Non. Donc, cette histoire de dire à quelqu'un fou à cause d'une question, c'est fini. C'est fini. Allah a voulu que Facebook existe, que les réseaux sociaux existent. L'humanité a été préparée depuis des milliers et des milliers d'années pour s'ouvrir à ce point, pour atteindre ce niveau de technologie d'information. Donc, tu ne peux pas dire aux gens tu es fou, tu es hava, il y a des tabous, il y a des choses qu'il ne faut pas poser, c'est fini ça, c'est ntaha. Ça a correspondu peut-être à une époque, naam, mais c'est fini aujourd'hui. Et de toute façon, l'islam n'a peur de rien. Allah subhanahu wa ta'ala n'a peur de rien. De rien, mais vraiment de rien. C'est ouvert, allez, pose tes questions comme tu veux. Les musulmans trouvent toujours des réponses, tirées toujours de le Coran et de la Sunna.
par la grâce d'Allah et de la vie de Muhammad sallallahu alayhi et de leur intelligence humaine, qu'Allah leur demande d'utiliser tout le temps, en continu. Ne trouvez-vous pas que la manière restrictive à laquelle s'adonnent beaucoup de prédicateurs est nuisible à l'image de l'islam? Ya Habibi, Ya Habibi, l'image de l'islam, l'islam est puissant par lui-même. Naam, il y a une approche, il y a une image de l'islam, pourquoi pas? Mais crois-moi, mon frère, que il y a une responsabilité de prédicateur. Toi, tu es un prédicateur. Le prédicateur, ce n'est pas le monopole de quelqu'un. Ce n'est pas l'apanage de quelqu'un. Tout le monde doit être prédicateur. Chacun avec ses compétences. Donc chacun, puisque toi-même tu écris avec ta compétence, lui il fait sa prédication avec sa compétence. À partir du moment où il y a le cadre, et moi je repère dans le cadre qu'il y a une crainte d'Allah, il y a un minimum d'exemplarité. Non. Il y a un minimum de remise en cause. Non. Il y a un minimum de sincérité. Non. Il y a les plus grands principes éternels qui sont là, qu'on voit, qu'on repère. J'encourage. Alhamdulillah. Je ne peux que me complémentariser avec lui. Là, on m'a riche, alhamdulillah. Lui, il est spécialisé dans tel domaine, il le fait, il le traite, alhamdulillah. Et d'autres. Maintenant, est-ce que le prédicateur est responsable de l'infantilisation de la populace ou de ceux qu'il prêche? En partie, oui. Mais pourquoi tu te laisses alors infantiliser? Tu as aussi une lourde responsabilité. Et ta responsabilité est aussi très lourde. Si ce n'est pas supérieur en lourdeur de sa responsabilité à lui. Est-ce que lui l'a fait exprès? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a eu la mauvaise niya de rendre les gens dans un moule malheureux? Ce que j'appelle, il y a une formule qui me plaît beaucoup, qui est dure, qui est directe, qui est frontale. C'est ce que j'appelle l'inceste religieux, ou l'inceste intellectuel, ou l'inceste culturel, d'accord? L'inceste religieux, appelons-le l'inceste religieux. Si un père couche avec ses filles, hein, ou sa fille, il va produire peut-être des gens handicapés. D'accord? À force de le faire, il va produire des handicapés, n'est-ce pas? Des gens atteints de maladies graves. C'est exactement la même chose si un groupe reste dans le même endroit. Sans s'ouvrir aux autres. Tout le monde va se ressembler. Ça devient fade, ça deviendra fade, stérile, et on aura des handicapés, des attardés, malheureusement. Et on le voit malheureusement. À chaque fois qu'il y a eu un groupe qui s'est sectarisé, ça produit rien. Ça produit des monstres, ça produit des handicapés, ça produit des attardés. Ça produit des choses fades. Plus on s'ouvre aux autres, plus on se mélange, Subhanallah, même avec les pires ennemis, plus ça crée de belles choses. Et la civilisation de Bagdad, la civilisation de l'Andalousie sont les plus grands exemples. On s'est mélangé avec des juifs, on s'est mélangé avec des chrétiens, on a mis en place un minimum de justice sociale, d'accord, et d'ouverture et de tolérance, et Subhanallah, ça fait une très 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 belle civilisation. D'accord? À force d'être, de vouloir voir mon moule, d'accord? Je suis de tel groupe. Donc tout le monde voilà, s'habille de la même manière, parle de la même manière, répète les mêmes mots, répète les mêmes phrases. On produit des gens malades, attardés. Et c'est ça ce que j'appelle l'inceste. Mauvais. Mauvais. Infinité de différences. Des nations, des tribus. Ça doit converger vers quoi? Vers l'état. Ce travail intellectuel. Je vais vers l'autre, il vient vers moi. Et là, ça fait de belles choses. L'abeille qui récupère le nectar d'une fleur produira un miel. Mais imagine cette abeille qui voyage, qui fait plusieurs fois le tour de la terre pour récupérer le nectar de plusieurs fleurs. Là, ça fait autre chose. D'accord. Si tu as un bouquet de fleurs avec 10 fleurs rouges, et si tu as un bouquet de fleurs avec une jaune, avec une rose, avec une rouge, avec tu vois, et tu vois la diversité infinie de la création.
Tu vois la complexité totale de l'ADN. Tu vois la diversité infinie des humains. La couleur des yeux, la peau, les cheveux, tout ça. Une infinité totale, subhanallah. Et tu viens jusqu'à l'approche religieuse, l'approche de la vie finalement, sous les principes de la religion, et tu veux que tout le monde soit dans le même moule, pas toi, ce prédicateur malheureux que tu décris. Mais c'est une aberration. C'est vraiment contre ce que Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala. D'accord? On se comprend, toi et moi. Finalement, il suffisait juste que je lise ton message. C'est ce que je t'ai dit dans le mail. Il suffisait juste que je lise ton message. Ni plus ni moins. Parce qu'il répond par lui-même à tes questions. Naam. Il nuisible à l'image de l'islam car il infantilise de plus en plus les musulmans et en les rendant dépendants de tel courant, encore pire de telle personne. C'est ce que je combats, mon frère. Et c'est détestable. Maintenant, ceux qui veulent s'infantiliser, s'infantiliseront. Et ils ne pourront pas dire c'est la faute d'un tel prédicateur. C'est leur tête malheureuse. C'est leur sectarisme à eux. C'est leur acceptabilité de la manipulation. Ils voulaient se sectariser. Donc ils avaient juste besoin d'un petit déclencheur qui les a aidés à se sectariser. D'accord? Donc, chacun rendra des comptes. Au lieu de dire il m'a infantilisé ou il fait en sorte d'infantiliser, bah dis-toi, normalement en tant que musulman, même jeune dans l'islam, même si ça ne veut rien dire, quelqu'un qui vient de découvrir l'islam, il doit avoir des principes en entrée de jeu. Si on arrive à une génération de ce type-là, on ira très loin. Je ne donne ma tête à personne, je ne donne mon cœur à personne. Rabbi Ibn Amir, qu'est-ce qu'il disait à ce grand roi, quand il est entré voir le grand roi, qu'est-ce qu'il lui a dit, le fameux sahabi? Il lui a dit, Allah nous a envoyé, donc pour sortir les gens de l'adoration des humains vers l'adoration d'Allah. D'accord? Donc on n'a pas à diviniser des humains ou à diviniser des systèmes de pensée. Ou c'est ça, remplacer Allah subhanahu wa ta'ala par une divinité qui est mon hawa, mon système de pensée à moi, mon moule à moi. Non, 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 du tout. Donc en tant que musulman, je dois avoir des principes dès le départ, en entrée de jeu, simple. C'est de dire je ne donne mon cœur à personne, je ne donne ma tête à personne, mais je dois toujours me déployer toute ma vie pour être juste et sincère. Et je dois m'armer de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je dois tout faire pour ne pas être manipulé. Comment? Ouvre le Coran. Ouvre la Sunna. Observe la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si l'histoire qui s'est produite après la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te dérange ou te pose problème, pas de problème. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, dit Allah. Al-yawma, aujourd'hui. Donc, reviens à ce moment-là. Et là, tu trouveras des merveilles qui vont t'aider toute ta vie. Tout ton système de pensée évoluera autrement. Tu te découvriras, mon frère. D'accord? Et tu t'armeras de très belles choses. Et tu feras jaillir de très belles choses sur les autres, sur les musulmans et sur l'humanité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la sagesse. Maintenant, je te rappelle toujours Confucius. Et tu vas voir qu'il y a des gens, juste parce que je cite Confucius, qui vont me dire, ah, égaré, tu cites des koufars, tu cites des... Au lieu de critiquer, d'insulter l'obscurité, allume une bougie. Maintenant, bismillah, lance-toi, toi. Comment, toi, tu peux faire intelligemment, sagement, naam, comment tu peux faire pour attaquer les racines de cette capacité de s'infantiliser. D'accord? Toi, tu la vois chez les prédicateurs. Tu es un peu influencé. Non, mais il est quelque part chez. Et chaque prédicateur qui est comme ça doit se remettre en cause. Et tu dois, toi, trouver, inch'Allah, la manière de faire, l'approche de faire pour
réveiller un peu nos prédicateurs et les aider à s'éduquer et à se remettre en cause. Mais qu'est-ce que toi, tu peux apporter, Inch'Allah, à part critiquer, pour construire ce fameux système de pensée, cette approche qui nous débarrassera de ce sectarisme, de cette volonté de voir tout le monde dans le même moule. D'accord, mon frère? Voilà pour ma question. J'espère que je ne vous ai pas dérangé. Trop dérangé. Non, mon frère. Du tout, du tout, du tout. J'ai dit, tu enrichis, mashallah. Tu élèves le débat, mashallah. Et tu enrichis le débat, mashallah. Merci d'avoir pris le temps de me lire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était avec plaisir, mon frère. Mes capacités étaient un peu limitées ce soir. Il est 4h40 du matin. Je ne sais pas si j'ai réussi à enrichir un peu le débat avec toi. Si j'ai réussi, alhamdoulillah. Si je n'ai pas réussi, c'est de ma faute et de mon shaitan et de ma fatigue. Tu m'excuseras. Pour échanger encore, inshallah, pour élever encore et encore le débat, qui est très intéressant. Mais c'est vraiment, je vous dis, le cœur de mon approche à moi personnelle, la raison d'être de ma darwa, et chose que je ne voulais pas du tout, ça ne m'intéressait même pas, moi, tu sais. Oh là là. C'est ça, c'est que je vois un niveau de sectarisme qui dépasse tous les entendements possibles et imaginables. Et ça a frappé l'histoire musulmane, ça frappe l'humanité, attention. Mais quand les humains font, je peux dire, ok, le pauvre, il n'a pas de Dieu, il n'a pas reconnu une divinité. C'est normal qu'il tombe dans tous les travers. Normalement, quand tu te dis musulman, il y a quand même un minimum de différence que tu dois avoir par rapport à cet humain, le pauvre, qui est kafir, mécréant, qui lui nage, est noyé dans la division totale, et qui a produit une infinité de contradictions et de malheurs. Toi, tu dois produire normalement, en tant que musulman, une infinité de belles richesses. Pas de beau sectarisme, ou de cause finalement de querelles, de polémiques, de haine, de division. D'accord? Khair, inshallah. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأصلح الله لك الدنيا والآخرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة